L'équipe, ça va ou quoi? La NCB arrive à Dubaï. Regardez ce que je me suis pris là. Oh là 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 là. On va bien s'amuser, je vous ai dit. Je vous ai pas menti. On va bien bien s'amuser là. On y va, let's go. Hey My G, hey, merci pour la classe business, à mon reste économie. Et tu connais, c'est... il va être ce qu'il a, il va être ce qu'il a. Les gars, la tête d'avait, regardez ce qu'il a pris, regardez ce qu'il a pris. Est-ce qu'on est sous Viano ou pas? Non, Yannis, tu nous as mis grave. Tu nous mets grave, frérot. On vient d'arriver, je bande déjà, frère. Le début. Les gars, on vient d'arriver à Baïdou avec le poteau Yannis, mon gars. Mon gars, j'ai franchement, j'ai kiffé le voyage, mais la classe business, mon gars, j'ai... Pourquoi il était organisé, c'est pas moi. La prochaine fois. Non, franchement, il a géré. Bon, vas-y, papa, avec moi. Regardez, les gars, le Viano qu'il a réservé. C'est du sérieux. Voilà. C'est du sérieux aujourd'hui, c'est du sérieux. Vous savez, quel jour entre T'as vu? Eh, il veut gratter la business, quel suceur. Entre mecs qui ont des tâles, frère. Entre mecs qui prennent. Voilà, les gars, j'ai pété, frère. Voilà. Tous ceux qui veulent des formations. Voilà. Fallait venir avant, les gars. Voilà, l'ICOM. Télégramme. Voilà, Télégramme. Ne vous inquiétez pas, je vous partage mon Télégramme. Regardez, je suis dans des Viano de luxe. Il y a des étoiles et tout. Là, je suis avec mon gars, il y a Nice, frère. Voilà, vous savez. Léger. Toujours entre. T'as capté? Toujours entre. Tu vois? T'as vu? Hey, il veut gratter la business. Non, toujours entre. Tu connais? Entre mecs qui ont des tâles, frère. Entre mecs qui prennent les étoiles, voilà. Voilà. Yannis, je m'en bats les couilles, je suis trop agité. Laisse-moi montrer. Les gars, regardez la salle de bain. Regardez les chambres. Regardez les. Regardez les chambres de baiser. Mais c'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire. Regardez, Yannis, comment vous a respecté. Vous allez péter un câble. Regardez, piscine privée, les gars, la vie de ma mère. C'est une dinguerie. Piscine privée, et regardez la vue. Attends, Yannis, on va te sucer, gros. Arrête ça, gros. Les gars, je vais te sucer tout de suite, je vais arrêter de faire. Tout ça, là, piscine, transat, etc. et tout, ça, c'est que pour nous, c'est que pour notre chambre. Yannis, arrête, gros, je vais te sucer, frère. Ouais, gros, attends, gros, attends, mais tu sais que je vais me déshabiller, là, Yannis. Arrête-moi, chérie, Yannis. Calme-toi, Rusty. Wesh, les gars, la vie de ma mère. Regarde la chambre de fou. Eh, ouais, je suis choqué. Non. Je suis à plein d'étages, wesh. 59 étages, dinguerie, putain. Ça, c'est dinguerie, wesh. 59 étages. Il y a plein les chambres. Il y a plein les chambres, frère. Attends. Wesh. Ah, sur les terres de Dubaï. Voilà, on est arrivé. L'hôtel est dingue. Merci, vraiment, c'est Yannis le plug. Hein. Yannis le plug de B. Regardez. Attendez, je vais vous montrer un truc de baiser, les gars. Regardez bien. Regardez cette vue de fils de pute. C'est une dinguerie, les gars. Là maintenant, j'ai trop envie de sauter. Regardez, attendez. C'est une dinguerie, les gars. Oui. Regardez la chambre que j'ai. C'est vraiment une dinguerie. En fait, Yannis, t'as décidé de... En fait, tu veux qu'on tombe amoureux de toi, Yannis, en fait, c'est ça. Putain. Ah, ça quoi? Ouais, la vue. La première, je m'ai tenu ici. Non. Gros, demain je suis tout nu ici avec la vue ici, je m'en bats les couilles, ici à l'air et tout, frère. Putain, non. Type shit. C'est ça que je voulais entendre, poteau. Les efforts du Rust commencent à porter leurs putains de fruits. Et c'est pas des petits fruits, c'est des gros fruits en mode pastèque tout. Les gars, on s'est enfin changé. On s'est enfin bon. Ça y est, maintenant on a changé de tenue, les gars. On est arrivé au Mia Khalifa. Les gars, il est où t'es, frère? Ouais, t'es. Il y a ton Mia Khalifa, il est juste là. T'es pas venu voir Mia Khalifa. Il est juste là, frère. Oh, t'abuses, t'es. Non, les gars, c'est incroyable. Je vous jure, la vue, elle est dingue de baiser. C'est incroyable. On est dans un rêve, gros. C'est magnifique. T'es moi, il y a de l'eau. Il y a des big immeubles. Hein? Bah, je sais pas, c'est de l'eau en dessous des immeubles. J'ai jamais vu, frère. Mis à part quand il y avait l'inondation en bas de chez moi. Voilà, les gars, c'est incroyable.
Regardez, putain. On est à Baidu. Baidu de baiser. NCBA Daibou for real. Mais enfin, on s'est changé. On s'est là, les gars, regardez. On est devant le Mia Khalifa. Dédicace à Ted. Il est où, Ted? Il est pas devant le Mia Khalifa. Le Mia Khalifa, il est là. Non, les gars, franchement, c'est impressionnant. Je m'en bats les couilles. Je snap comme tout le monde. N'importe qui a déjà vu ça. Je m'en bats les couilles. Moi, je suis un Africain, ok, les gars. J'ai galéré toute ma vie pour être ici, les frères. Et là, de ma mère, c'est trop beau. Oh mon Dieu! Oh là là! Heard you said yeah over me, is that so? You don't ever felt a girl in that soul. Okay, could've held on, but you let it go. Saying to yourself that. Je vais pas dire ça trop fort parce qu'il y a un monsieur à côté de moi, mais je bande. Le zizi est dur. Le zizi est très dur, très dur. Donc voilà les gars. I don't play with that hoe, she act childish. I get time when I'm up for that Miley. Got a way who want me look like Miley. Soon as I walk in, I get it. Il y a bien une chose que je sais sur Yanis, les gars, c'est qu'il a jamais scam personne, ok, et qu'il ne il va jamais scam personne. Yanis, faut que vous sachiez, avant que vous le voyez dans mes stories, etc. et tout, je le connais, j'ai parlé avec ce mec, je le connais personnellement. Ce n'est pas tous les voleurs que vous voyez ici. Je sais qu'à Dubaï, il y en a beaucoup. On va pas donner de base, on n'est pas là pour dénoncer, on s'en bat les couilles. Mais Yanis, si je vous parle en français de lui, etc. et tout, si vous voyez autant, je m'entends bien avec lui, etc. et tout, les gars, vous croyez vraiment que j'ai besoin de son argent, j'ai besoin de vivre à travers lui, etc. et tout. Vous savez très bien, je suis pas là pour me vanter, etc. et tout, mais je gagne très bien ma vie. J'ai pas besoin de Yanis pour aller à Dubaï et pour profiter avec mes frères, j'ai pas besoin de lui. Mais aujourd'hui, il le fait, etc. et tout, ça me fait plaisir parce que je sais que c'est un mec honnête qui gagne son argent honnêtement. Vous voyez des marques, etc. dans ma story et tout que je partage, je savais même pas que ça vient de lui. Un mec qui bosse honnêtement, qui a vraiment monté ses business tout seul, etc. et tout, vous voulez me parler en mode ouais, c'est un scam. Il fait pas de trading, il fait pas de Telegram, il fait pas de rejoignez mon lien et tout. Il fait pas ça. Il bosse honnêtement, etc. et tout. Arrêtez de mettre des étiquettes sur tout le monde, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup sur Dubaï, c'est des voleurs, mais lui, il en fait pas partie. Arrêtons de mettre les étiquettes sur tout le monde. Mais tous les coachs qu'il y a, pourquoi vous m'avez choisi moi? Donc il y a Nissicom et pas un autre. Je pense que c'est un feeling global. Après, comme tu l'as dit, nous on a eu ces deux mauvaises expériences, mais il faut apprendre à se former. Donc je pense que c'est important quand même d'avoir un accompagnement, quelqu'un qui va te donner un retour d'expérience, pas mal de tips. Ça va te permettre d'avancer. Et donc pourquoi toi? On te trouvait beaucoup plus authentique, transparent. Et ouais, c'est ça. Et je pense que si on t'a choisi parce que on a eu ces deux mauvaises expériences avant, où on était beaucoup plus basé, on va dire, sur la fame, sur des choses un petit peu plus superficielles, alors que toi ça nous semblait beaucoup plus vrai, t'étais beaucoup plus cette proximité, même quand on parlait sans avoir encore pris ton accompagnement. Donc je pense que c'est pour ça qu'on t'a... Arrête, ça me donne envie de te sucer, arrête, je te suce, bordel. So I'm
my bestie. Think I found my bestie. Link up, make the check bleed. You know that I'm smoking dope. I'll be high till next week. No, I had to let her go, cause she can't arrest me. Walk up with my toolie, what they do? Meet me in the alley with the troops. I got red shooters. Pitié, non, pitié, non! Je sais pas quoi dire, je vous jure, je sais pas. Non, mais c'est bizarre, écoute, sérieusement. Rater Dubaï pour ça! Attends, écoute, écoute, écoute! Attends. Tu m'as brisé. Changer de mais qu'est-ce qu'il raconte, putain, mais. Mais qu'est-ce qu'il. En plus, il fait sa tête crari, il est émotionnel et tout, j'ai envie de l'insulter. Je peux me le voir, si je peux vraiment plus me voir. Attends. Il avait ce qu'il pour ça, frère. Mais comment tu rates Dubaï pour ça? Tu rates Dubaï pour faire un son de merde, putain. Attends, toi, alors toi, parler de son merde, toi t'es bien placé aussi pour parler de ça, toi. Non, ça n'a rien à voir, frère. Bref, je sais pas ce qui lui arrive, les gars, je vais peut-être péter les plombs. Ça n'a rien à voir, voilà. Il a vraiment pété un câble. Il a pété les plombs, je sais ce que je vous dis, il a pété les plombs. Pitié, non, pitié, non. Les gars... Depuis hier, vous nous envoyez le son de Ted. Ce garçon a pété. On a compris, on a entendu le son, ce son de merde, putain. Les gars, en fait, c'est une dinguerie parce que le poteau, il a vraiment raté Dubaï pour faire un son de merde. Voilà, pour faire un son parce que par une belle une meuf qui s'en bat les couilles de lui. Frère, moi, c'est pas le, moi ça n'a rien à voir, moi. Moi, c'était, ça n'a rien à voir. C'est pour, mon, c'est pour mes refs. Ça, c'est pour une meuf qui s'en bat les couilles de lui, frère. Belvina. Mais il est fou quoi avec sa tête de merde là, il m'énerve. Il m'énerve, tu sais qu'il a raté Dubaï pour ça. Il a raté Dubaï pour ça, putain. Putain, qu'est-ce qu'il fait chier? Pourquoi il est pas normal ce petit? Ah, c'est une dinguerie. Eh hey les gars, j'en ai marre, je vous jure, j'en peux plus. J'espère que vous allez bien, c'est le Big. On se retrouve pour de nouveaux snaps. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les messages que j'ai reçus hier. Merci pour tous vos messages bienveillants. Merci pour tous vos messages d'amour. Ça fait plaisir de voir que j'ai une communauté qui se soucie vraiment de moi, qui se soucie vraiment de quand je vais mal et quand je vais bien. En tout cas, je tenais à vous remercier, vous tous. Vous êtes des amours. Vous êtes NCB, NCB Forever. Merci pour tous les messages de soutien, merci pour tous les messages d'amour. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir tous ces messages. Du coup, voilà, je tenais d'abord à vous dire ça. Je voulais vous dire que malheureusement, moi, je me suis pas encore... je suis en train de me remettre, mais je me suis pas encore remis de la situation avec Belvina. Voilà, il va me falloir du temps. Ceux qui ont déjà été amoureux, ceux qui ont déjà vécu la même situation que moi, vous pouvez comprendre. Ceux qui se moquent de moi, ceux qui n'arrivent pas à comprendre, je vous écoute même pas, je vous calcule même pas. Vous avez juste pas de cœur, vous comprenez rien. En tout cas, moi malheureusement, je me suis pas encore remis. Voilà, ça commence à aller, tout doucement, ça va de mieux en mieux. Mais je me suis pas encore totalement rétabli. Du coup, ça va prendre un peu de temps, mais on va revenir plus fort. Je vais essayer de revenir plus fort, je vais essayer de revenir à fond en tout cas. Mais voilà, je tenais à vous dire ça, que là malheureusement j'ai encore quelques séquelles, on va dire, de mon rencard avec Belvina, de tout ce qui s'est passé. Et voilà. J'espère que ça ira mieux. Et voilà, je tenais à vous le dire. Que j'avais besoin de m'exprimer aussi en chanson. C'est pour ça que j'ai fait cette chanson, c'est parce que j'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin de,
de sortir tout ce que j'avais à dire, mais à travers une musique. Voilà, ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez comprendre, ceux qui n'ont pas fait, ceux qui ont jamais vécu ça, vous pouvez pas comprendre, mais voilà, je tenais à vous dire ça, que j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de ça. Pourquoi tu pleures, comme si je t'avais déjà menti? Pourquoi tu pleures? J'ai tout fait, j'ai tout bâti, ce que t'entends dans mes textes, c'est le reflet de mes sentiments. Ça dit quoi, bro? Eh les gars, ceux qui me demandaient hier, c'est ça que je conduisais. Hein. Corvette, la rouge, c'était celle-là que je conduisais hier. Elle est magnifique. Et vu qu'Yannis c'est mon gars, encore aujourd'hui, je vais conduire, les gars. Et on va se mettre gras. Rusty, casse-toi, s'il te plaît. Pas du tout, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai conduit. Non, pas du tout. Tu l'as conduit hier. Oh, comment ça t'a fait rempart, frérot? Il a conduit hier. Pourquoi il a conduit? Attends, mais Rusty ne sait pas conduire, il a pas le permis. J'ai le permis de vous embrouiller. Vous l'avez conduit. Tu le connais pas, tu le connais pas. Ça fait 15 ans, 22 ans, j'ai le permis. On te connaît pas. Pourquoi frérot, tu m'en bats les couilles, c'est frère, moi c'est mon gars Tismé, entre Tismé on se ouais, comprend. C'est dingue, frère. Gros, arrête de sucer, gros. Non, je vais conduire, on les gars, je vais pas, conduire, toi. Les gars, je vais conduire la voiture de... Vas-y, casse-toi, tu vas pas conduire. Pierre Feuille Ciseau. Celui qui gagne, il conduit la voiture. Si je gagne, tu fermes ta gueule, je me donne la voiture. Je m'en bats les couilles. La tête de ma mère, regarde Yannis, vas-y, lance la partie, c'est parti. Les gars, regardez le gamos que Yannis m'a ramené. Mon gars Yannis, putain, c'est... Hey, t'es vraiment... C'est tellement mon gars que je vais le conduire aujourd'hui et qu'il va... Côté passager pour toi aujourd'hui. Voilà. Voiture, on va arrêter de vous battre. Allez, non mais Yannis, aujourd'hui c'est moi, d'accord mon gars. Bah ouais, c'est moi qui conduis aujourd'hui. C'est un bon 3-4 000 euros. 3-4 000 euros, mais... Ouais, t'inquiète pas, ouais. Gros, je vais conduire, t'inquiète pas. Même si c'est 100 000 euros la caution, je vais conduire de baiser. La vie maintenant, je conduis. La vie maintenant, je conduis. Pierre... Vas-y, Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Oh là là, t'as baisé. Tiens, mon pote. Let's go. Ah putain, il est tout content. Dévoir ça, je t'explique. Let's go. Attendez, écoutez le bruit. Wouh. Bruit de baiser, attends. Comment décapote? Ok, attends. Décapote-moi ça, mon pote. Oh là là. Ok. On sort le gamos. Eh les décapotages, décapotés de Benzé. Pendant qu'il est là. Gros, monte côté passager, frère. Monte ici. Là, t'es maraclé aujourd'hui. Putain, les gars, merci Yannis. Hein. Yannis, mon gars. Let's go. On va bien rouler. Arrête d'avoir le seum, gros. Reste bien ici, frère. T'inquiète, ça va bien se passer pour eux. Heard you said you're over me, is that so? You don't ever felt a girl in that soul. It could've held on, but you let it go. Saying to yourself that it's better this way. Funny thing is that you're going to need me. Nigga, she's dans les gamos de Benzé. Pendant que le poteau, il est là, il a le seum. Voilà, c'est comme ça que perdre les pierres feuilles ciseaux, mon ref. T'inquiète, ça va bien se passer. Regarde, je conduis de baiser, t'inquiète pas, arrête d'avoir chaud, putain. Je conduis trop bien. Frérot, je conduis mieux que toi. Arrête d'avoir le seum, frère. C'est pas parce que tu conduis pas que tu dois être aigri, mon ref. Sois content pour ton frère, gros. Je conduis la chop en bien. Et tu vas rien dire. Corvette avec le Rust, regardez, je crois, ski en bas de l'hôtel. Seuls les vrais abonnés se rappellent d'elle. Quand on faisait des lives. Karine! On va se mettre agité, frère. Oh, je suis pas agité, j'ai rien dit. Agité, c'est la famille, frère. J'ai rien dit, c'est la beauté, frère. C'est la beauté. Karine, ça va ou quoi? C'est qui, hein? Mais c'est Karine. Hey, en fait, ceux qui se rappellent très bien d'elle, on faisait des lives à l'époque. Les idées étaient toutes. Tu te rappelles ou pas, Karine? Oui, je m'en rappelle. Arrête Karine. De faire Karine, on se rappelle tous. On se rappelle tous. On se rappelle tous, Karine. Ouais. On se rappelle tous, je m'en souviens, moi. Quand on faisait les idées, Karine! Il était pas là, je sais pas ce qu'il va être raclé. Bref. À l'époque! Du coup, les gars, on a croisé Karine à Dubaï. Les gars, commencez pas à faire des théories, etc. et tout. Karine, y'a rien du tout, ok? Karine, c'est la poteau. Moi, je me chargeais de faire ses idées pour qu'elle trouve un mec. C'est la poteau, c'est la poteau. Okay. Eh, Rusty, non, mais c'est la poteau, Karine, t'es la poteau. Commence pas, je te jure. Les modèles sont là, je vous mets le lien, à tout de suite, bisous. Je vous explique, on est en bas de notre hôtel avec Inda, on vient de sortir de la voiture. Frérot, pourquoi? Y'a ta copine qui est là. C'est pas ma copine. Pas ton ami du coup. T'as des amis à Dubaï? Non, on a fait des lives ensemble à l'époque. T'as des amis à Dubaï? On a fait des lives. Et tu me les présentes pas de baiser. Arrête d'être agité. Oh, mais attends, mais il a des amis. Excuse-moi, bonjour Karine. Vraiment désolé de pas t'avoir dit bonjour.
Comment tu me présentes pas tes amis? T'es en malade ou quoi? Attends, je suis pas gênant. Mais on est là, ça y est. Du coup, on finit le voyage à trois. Mais Karine, quoi tu... Mais attends, ça avait pas non. dit ça. Attends, elle a son voyage de son côté, gros. On a juste attends, Karine, t'as... toi, t'es dans notre hôtel, non? Bah du coup on finit le voyage ensemble. Mais pourquoi bah, mais t'es... Ouais, comment ça pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive gros? Mais c'est ton ami mais frère t'es pour quoi, toi? Mais c'est ta pote. Oh. Tu veux pas finir le voyage avec nous? J'ai ma chambre. Ok, bah de toute façon on se revoit demain. Y'a pas de soucis. Attends, tu filmes là? Oh, il est bizarre, il est chelou lui les gars, je vous dis, il est chelou. Et c'est à partir de ce moment là que ça devient intéressant.